إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله nous continuons avec nous laissons les fruits de l'iman alors parmi les explications qui nous fait c'est à travers l'iman nous t'y laissons avec ce qui nous peut témoigner alors il y a beaucoup de monde qui peut vivre le salatia là je peux vivre comme un dimon je suis vivant mais je suis mort je suis léqué n'est plus fonctionné je l'hygiène n'est plus trouvé je suis oreille n'est plus tendu d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait une cause concernant un dimon qui pourra être dans l'enfer c'est sa même description qu'Allah a fait donner lahum qulubu la yafqahuna biha فلان عليك يا زو باسي بيس عليك لا بو كومبران ولهم اعين لا يبصرون بها زتين عليجي زو با تروفي افيك سا ليجي لا ولهم اذان لا يسمعون بها زتين زوري زو با تاندي افيك سا زوري لا دونك اينا سا كاتيغوري دي مون لا لو سالاتي لا زو با بي تروفي زو با بي تاندي اينا بان دي مون لو سالاتي لا بي فيف زو با بي تروفي زو با بي تاندي كي بان سا C'est bon qui va finir la iman. Et alors par ça, nous comprenons que l'iman aide nous pour trouver, l'aide nous pour tendre. Iman aide nous pour trouver, l'aide nous pour tendre. Il y a beaucoup de choses qui traversent le salaté là. Il y a du monde qui ne peut pas trouver qui peut traverser. Comme si il ne peut pas trouver qui peut traverser. Mais nous avons trouvé un autre monde avant qu'il soit traversé, il finit trouver. Avant que cette chose-là arrive, l'infini est trouvé. Surtout quand nous avons un problème qui est là entre monsieur et madame, l'infidélité, ou bien les autres problèmes qui est là, on trouve un monsieur, il n'est pas trouvé, la madame, il n'est pas trouvé. Qui fait? Parce qu'il trouvait ou bien tendait, trouve quelque chose qui est bizarre, donne quelque chose qui est bizarre, ça c'est à travers nos imans qui nous gagne sa capacité là. Celui qui n'a pas un iman dans ce léquer, il peut vivre comme un dimon mort. Il peut vivre comme un dimon mort. Alors ça, c'est ce qui nous a expliqué des explications. Parmi les fruits des imans, c'est qu'il aide nous pour tirer les sons avec ce qui peut traverser autour de nous. الله سبحانه وتعالى كنا بلا سيجا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن بذلك لآية للمؤمنين الله إن كريش لا تي avec toute vérité certainement إن la dans ainsi pour ban qui na iman Allah إن كريش لا تي إن ainsi la dans donc création les chiel et la terre veut dire quand qui na iman il peut gagner les chiel quand qui na iman il peut gagner la terre les gains veut dire il y a quelque chose qui les peut trouver comme ban signe Allah subhanahu wa ta'ala pourtant pas juste musulman qui peut trouver les chiel pas juste musulman qui peut trouver la terre tout ça du monde qui peut trouver les chiel et la terre et il y a peut prendre aller dans l'espace peut gagner il y a peut rentrer dans la mer peut gagner tout ça c'est qu'ils peuvent trouver là ce papier tient les sons ce papier tient les sons qui s'en a qui capégette les papiers les sons c'est celui qui est là iman nous continuons à travers iman nous protège nous même contre ban doute et ban confusion nous protège nous même contre ban doute et ban confusion et ça comment les connu légalement les sources de légalement c'est des quelque chose source de l'égarement, c'est des quelque chose. Premier, ash-shubuhat, déjà ash-shahawat. Ash-shubuhat veut dire ban doute. Et déjà ash-shahawat, ban désir, haram, le salatia là. Alors, il y a des gens, les tannins quelque chose, finalement, ça éloigne, fait les tombes de l'égarement, finalement, ça fait les tombes de désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait qu'elle entend ça, ça finit autant l'effet le lit, et ça même quelque chose là, elle l'autre entendait, ça pas fini n'a aucun effet le lit. Qui fait? Parce qu'elle a ce iman faux, elle a ce iman faible, par exemple. Un simon, un kafir, par exemple, il a dit qui ça a été prophète là, ça? Il y a un simon âgé, il est marié avec une jeune fille. Un simon qui attend ça, il y a un doute dans sa religion. Les gens doutent dans ce dîne, les commencent à éloigner des pédis, dans là, les cartons dans le couvre. Un autre,
au cas d'y aller, ça même quelque chose, hein, quoi de problème là-dedans, il pas, ça pas affecté, ça pas affecté lui. Donc ça, c'est un exemple, ou bien deuxième exemple, c'est pas de l'islam, ça va une, punition qui est là, trop sévère, trop sévère. Un kafir vini, dit à ça, un musulman, ça c'est ça, même qu'appelle ban choubouhat, ban doute, l'invin lança dans les cas d'un musulman qui se iman faible, ça finit dans l'effet l'oli. Un l'autre, l'invin dit à sa même parole là, dans l'islam, ban punition qui est là trop sévère, ça pas de sens dans rien dans l'i. Alors, qui fait quand certains doutes viennent vers certains musulmans, on va dire ça doute là renverse lui, et ça même doute là quand elle vient les autres musulmans, ça n'a pas renversé lui, qui fait parce qu'il y a une question de iman. Et iman, c'est nous les apprendre, et nous pratiquons le din avec sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا simplement بان مؤمن سبان كيفنا من إيمان دا الله إيس رسول ensuite زد n'a pas gagné doute ensuite زد n'a pas gagné doute et dire إن أجمون يمن إيمان après il gagné doute يمن إيمان disons nous pas nous pas dire les gars ils doutent il n'a pas arrivé ça dégré doute là il y a un iman mais il pas gagné sa conviction là il a un iman mais il pas gagné sa conviction là alors ça c'est faiblesse de iman ça c'est faiblesse de iman donc parmi les fruits de iman c'est qui était quand on amène iman ça renforce nous les cœurs quand nous les cœurs fine renforce nos convictions fine renforce pas de doute pas de confusion qui s'en amène ce qui s'en là peut amener ou bien l'autre là peut amener s'en là peut critiquer l'islam là ou bien l'autre là peut critiquer l'islam là ça pas avance non ni ça pas avance non ni alors ça est important nous apprendre nous dire un certain niveau nous protégeons contre couvre un certain niveau nous protégeons contre les gamins par exemple un niveau qui nous protège même contre couvre c'est quand même une critique l'islam directement qui peut venir critiquer l'islam directement par exemple un kafir peut venir ou bien un kajani quand tu cites un argument qui s'est avancé est-ce qu'il a nécessité d'un prophète nous en cohen ali ou bien non oui en cohen a la nécessité d'un prophète il y a du monde bizarre prophète pour suivre pour vivre la terre correctement nous nécessité prophète lila est-ce qu'il y a la faveur infinie ou bien Allah Rabbul Alamin est encore toujours fait faveur Allah toujours encore toujours fait faveur alors Kajani Jaoubé si nous encore toujours dans la nécessité d'un prophète. Nous avons besoin d'un prophète. Et Allah, c'est celui qui fait faveur. Mais qui peut te mettre un prophète qui peut venir? Un jimoun, il vient avec cet argument-là. Au cas par trop, un jimoun qui peut avoir connaissance, ça renverse. Un autre, ça pas avance, sinon. Donc ça, c'est un niveau de kufr. Un autre niveau, c'est, comment dire, renverse ou de oudin de la vérité. Et ça, finit dans beaucoup de jimoun. Comment? Que toi, c'est critiqué. Ton imam là, pour te critiquer, il pas connaît. Ou bien, il y a comme venu dans certaines, ton imam là, il n'y a pas glace, ça, il fout ça. Non, il n'y a pas bon, lui, personne n'a pas bon avec lui. Ça, c'est un doute, ça. Ça, c'est une attaque de Azan, Shaitan, pour venir renverser un démon. Donc, il y a un démon dévié. Qui fait parce qu'il. Quand iman faible, ça va nous quitter doute là, li ena l'effet l'eau de kia. Alors, ben, le shaitan, li là pour une égano, li pour égano à travers qui était, ban doute, ban confusion. Oui, aussi, li pour une égano à travers ban shahawat, ban désir. Livré, mais seulement plus grave, c'est l'égarement à travers ban shubuhat, à travers ban doute. Parce qu'à travers doute, un jour, quand on sortit en dehors de l'islam, à travers doute, un jimoun est capable de tomber dans l'égarement. Alors, ça, il est important, nous pas comprendre. Par exemple, fait que la tienne a commencement janvier,
comment ce moment-là, il y a des gens qui disent, nous, l'aqidah n'est pas bon. L'aqidah n'est pas bon. C'est moi, ce qui est comique là-dedans, il dit, c'est que mon père écrit, là, là, là. Et si vous ne comprenez pas, vous préférez avoir des gens qui vous expliquent. Mais ça, dans lui-même, il peut vous guetter. Mais qui vous peut causer? Cause, vous pouvez avouer, vous pouvez causer une petite chose qui n'est pas claire. Et moi, je donne une plus grande preuve qui n'arrive pas dans rien. Tout ça, des gens qui, comment dire, malade avec le Goudawanou. Si nous gagnons sa bourg là, dans janvier, il amène 4 missiles pour éclater à Kidal Goudawanou. Depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, on arrive, c'est pas septembre. Dis-moi, tu pourrais ce ça. À Kidal Goudawanou, pas moi, il a bailé, il a mis 4 points. Dis-moi, encore quoi ça? Personne. En di moun ba pe koza. Pe sa kantite ki zo deteste al Goudawanour, sa si zo ti gagne preuve ki akida n'a pas bon, pe zo ti pou pilo la tête, pe to akida n'a pas bon, to akida n'a pas bon, to akida n'a pas bon. Kote ton sa. N'a pas tant d'infini, en histoire, infini, traversé, infini, infini. Donc, en a di moun vin avec ban choubouhat, en a di moun vin avec ban doute. À travers ça, j'ai mon égaré. Par exemple, il y a du monde dans sa masjid là même. Il y a, moi pas qu'on lit, mais écoute pied à bas, moi pas qu'on lit. Il y a, moi écoute pied à bas, moi écoute pied à bas. Qui fait toi écoute pied à bas? Qui te connaît pied à bas toi? Quand tu connais pied à bas toi? Non, il y a un problème. Allô, Olivier, Olivier, l'autre côté. Alors, ça c'est ben doute. Quand Shaitan vient avec ça vers un démon, il y a un démon dévié. Il y a un démon dévié. Nous devons accepter le haq. N'importe quand, nos professeurs, ou bien nos chers, n'importe qui s'en a fait rien, nous devons dissocier nous. Nous n'avons pas gagné droit à l'erreur ou bien support erreur. Mais une chose qui appelle support erreur, une autre chose qui appelle délaisse support de la vérité. Ça, comment? Là-bas, je me dis, oh, patra badjou. Qui me dit patra badjou? Mon Dieu, j'ai qu'un trap au badjou, moi. Moi, si je fais les sons du monde, je suis venu me les sons, tu pas faire les sons du monde, pas venir, c'est tout. Qui trap badjou? Mais il y a des gens, ils sont malades. Ils ont averti du monde dans sa façon, là. Ça veut dire, ce n'est pas un badjou. Alors, ça, c'est important de nous dire qui fait, hein, parce qu'il n'est pas pour arrêter ça. Il ne va pas arrêter ça. Aujourd'hui, on a un trap badjou, c'est pas gaieté. L'autre jour, on a un autre, c'est pas l'autre, on a un autre. Et, pas de cause, on pourrait rester en des mêmes. On pourrait rester en des mêmes. Mais, on connaît, si vrai, nous accepter. Tout le monde fait, nous corrige, nous errer. Quand, sinon, ban choubouhat pour tirer du monde depuis l'islam, ban choubouhat pour tirer du monde depuis le haq, Shaitan il vini même avec ça, il pour vini même avec ça. Alors, comment nous pour protéger nous? Renforcer nos iman. Renforcer nos iman. Lire le Coran, faire nos salats, faire doa avec Allah. Garde nous les kéa propres, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous les kéa pour protéger. Ensuite, nous avons un fruit de l'Iman, c'est qu'il protège nous contre lâcheté. Il protège nous contre lâcheté. Alors, comment nous connaissons ce qu'on appelle lâcheté capon? Ça, ce n'est pas la qualité d'un vrai homme musulman. Un premier homme musulman, c'est un prophète. Un prophète, ce n'est pas un démon capon. Pas un démon capon, c'est un démon courageux. C'est un démon qui est là, courage dans les quais, ce n'est pas un père. Alors, un démon. Et dans les gens qui vivent sur la terre, je ban dernier degré capon. Et il y a une certaine lâcheté qui est là-dedans. Parfois, il y a dans l'autre temps. Et ça, il y a une certaine affreuse qui, parfois, les gens qui sont nés avec ça, qui héritent ça de ses parents. Et là, mais nous pas cause ça lâcheté. Qui, par exemple, un chien aussi, mais il y a. Un zénès peut passer, il passe normal. Un autre, il peut grimper. Alors, ça est là, qui, comment dire, il y a des gens qui paient les chiens beaucoup. L'autre, il ne peut pas trop payer les chiens autant. Ce n'est pas ça l'acheter là. L'acheter nous peut cause concernant un des gens qui paient
concernant dîn Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas si qu'il y a un droit pire. Il n'y a pas si qu'il y a un droit pire. Et là, ça lâche là, soit les gars nous loin de certaines ibadat comme un jihad, ou bien da'wa, ou bien même pour afficher, papa, pour mettre au clair nos identités. Pour mettre au clair nos identités. Moi, je suis un qui suit le Coran, je suis le Sunna, je peux suivre, je peux faire des efforts pour suivre l'islam, comme un salaf, fin suivre, fin enseigner. Besoin d'un courage pour dire ça. Besoin d'un courage pour dire qui faire. Parce que le moment qui vous dit ça, on finit, rentre en guerre avec 72 groupes. On finit rentre en guerre avec 72 groupes. Il a dit qu'on n'est pas oulé, lui. Il n'est pas oulé, gagner la guerre, il voulait mener la vie tranquille. Comment dit mon? Il voulait pratiquer l'islam authentique. Allah fait une décrète que l'islam authentique, il est dans 72 l'ennemi. Un dit mon, il voulait pratiquer l'islam authentique sans qu'il ait un ennemi? Impossible. Pas pour capable. Si vous voulez pratiquer l'islam authentique, au bizin, préparez-vous, vous prenez 72 l'ennemi. Si vous voulez, moi, je vais pratiquer mon pratique l'islam tranquille, je vais parler. Gâte l'amitié avec personne, moi, mon correct que je touche, je tout correct en moi, mais tranquille, moi. Ça qui a été dit, mon là, il n'est pas pour qu'il pratique l'islam. Mais il y a un problème dans ce qui a besoin d'un courage. Besoin d'un courage pour qu'un dit, mon il mostre la vérité, il supporte la vérité, il défend la vérité, il invite vers la vérité. Et un courage qui vise ça. Et un courage qui vise ça. Alors, quand on a iman, nous gagnons ce courage-là. Si iman affaibli, on trouve tout le monde peine à courage. Il gagne peur pour dire qu'il y était. Il gagne peur pour dire qu'il l'autre côté dans les gamins. Il gagne peur pour dire que ça l'autre akida-là, c'est akida kufra. Akida qui amène vers les gamins. Alors, ça c'est un lâcheté. Et nous avons aussi ben, les autres formes de lâcheté. Quand il y a des gens, toutes ces affaires, les pays, les affaires, djinn, shaitan, toutes ces affaires dans l'esprit, shaitan, djinn, shaitan. Et ben, c'est pas superstition, il y a entre les superstitions dans l'esprit. Toutes ces affaires, les pays. Et ça, c'est quand l'iman affaiblit dans l'esprit. Un djinn qui se iman fort, il connaît que shaitan existe. Il connaît dit que shaitan existe. Nous avons quand même nié ça. Mais Allah pendant nous vivre la terre avec l'affrayé Shaitan dans nous les cœurs, nous respire Shaitan, attention ça, attention l'autre, attention ça, attention l'autre, ça c'est un lâcheté, ça c'est un lâcheté. Donc un musulman qui a un monsieur ou bien une madame lit un quoi dire un lunaire pour lui ça quand il a un courage lui dire moi moi comme ça moi stand là moi vive comme ça et moi n'a pas d'accord avec telle qu'il chose par exemple combien de monde nous a un problème côté c'est pas côté belle mère côté beau père beau frère et gagne invitation c'est pas katam. Ou bien même, invitation, c'est pas l'anniversaire. Dis, moi, je ne connais pas qu'un 300 l'anniversaire, puis il y a de l'islam. Mais il y a allé. Ou bien, il prend un cadeau, il envoie un cadeau. Qui fait une faiblesse pour prendre l'islam. Mais non, nous ne pas faire l'anniversaire, nous. Enfin, pour tout. Ou bien, il y a arrêté un vitou, il dit, oh, papa, remettre mes pieds devant moi la peau parce que tu n'es pas venu l'anniversaire, mais tu n'es pas venu 4 ans. Et si tu as besoin de passeport, ça, nous avons besoin de passeport, ça. Si tu as besoin de passeport, ça, nous avons besoin de passeport, ça. Et c'est tout le temps important. Contrer un challenge, un jour, nous pourrons refaire la vie du prophète, nous pourrons essayer de faire avec un petit peu plus de détails. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lui-même, il y a une leçon qui a tous les sons. Il y a une leçon qui a tous les sons. Si nous essayons d'être un petit peu, imaginez un petit peu, qui nous traversait dans la vie de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand finit la manisten qui ban sahaba il prend, finit la relation il casse, finit la jihad, finit la tout ça là. Aujourd'hui nous voulons pratiquer l'islam, quoi dire l'islam, le haut plateau, il n'a pas morcé. Qui ça sahabi qui, ce moment tu dis à lui, mon bémo, si tu ne renonces à l'islam, ou bien arrête de manger bois. Hein? Un parmi les 10. Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas. Et qu'est-ce qui m'a mal à dire? Il dit, tu peux dire, tu es un musulman.
Bé, l'islam, dis à toi, agir bien envers tes parents. Bé, mon bé, dis à toi, tu quittes l'islam, sinon mon bé, mon ou là, moi. N'arrêtez pas manger bois, il tombe sans connaissance. Il n'arrêtait pas manger bois, il tombe sans connaissance. Et là, c'est un autre garçon, il vient de lui, qui sauve bois, il regagne connaissance, il commence à maltraiter ce garçon. Qui l'islam, qui l'a accepté, qui est mon situation en cause, tant mon bé, mon ou. Bé, un maman, un quoi, un papa, un maman, l'épée, comment dire, l'épée. Les pesticides lui-même, à cause du garçon accepté l'islam. Le garçon n'a pas dit, non, mais mon maman, ça, mon sens, c'est un nom, il prend une tini ferme. Une tini ferme. Donc, tini ferme, d'abord, situation, papa, tcha pas content, poupou pas content, maman pas content, cousin pas content, cousine pas content. En vérité, nous tous, quand nous grandis cousin, cousine. Nous tous, quand nous grandis, cousin, cousine. Mais, en un l'âge, quand, cousin, cousin, cousine, cousine. Mais, en un, vous connaissez comment j'ai élevé cousin, cousine, frère. Quand il y a cousin, cousine, frère, c'est. Soit c'est un dimon, jahil, nous disons un bon dimon, je n'ai aucun mauvais esprit, je peux dire non, frère, c'est ça, cousin, cousine, frère, c'est. Soit c'est un dernier, l'ennemi de l'islam. Ça, c'est pas la nuit de l'islam. Dans l'islam, cousin, cousine, pas mahram. Moi, j'ai un droit moyen avec mon cousine, j'ai un droit moyen avec moi. Ou dire cousin, cousine, frère, sœur. Mais qu'est-ce que l'islam là, ça? Qu'est-ce que l'islam là, ça? Et nous tous, quand tu es petit, cousin, tu cousine. Nous jouons, tu cousin, tu cousine. Un naze. Après un certain naze, non, cousin, pas ici, cousine, pas là. Bon, frère, pas en colère. C'est pas en colère, belle c'est pas en colère. Le gars dit, oui, mais mon garçon là, comme si, mauvais garçon, un motif là, trop mauvais, ce garçon là, trop bon. Les causes comme ça là, lui. Ce garçon là, trop bon, ce motif là, trop bon. Alors, on trouve, comment dire, Dimon, je te réquilé. Non. Un Dimon se dit, pour pratiquer d'une, besoin courage. Pratique digne, bisous, courage. Et bon, puis il n'y a pas de content, belle-mère pas de content, beau frère pas de content, c'est pas madame pas de content, monsieur pas de content. Nous, bisous, faisons effort, parce que l'islam c'est vise plaisir Allah. Quand nous vise plaisir Allah, dis-moi, il est content, alhamdulillah, nous vise plaisir Allah, dis-moi, pas de content, nous ne pouvons pas faire rien. Nous ne pouvons pas faire rien. Alors, connaît qui. Pour pratiquer l'islam, besoin d'un courage. Ça courage là pour pratiquer l'islam correctement dans nos obligations ou bien dans nos de jihad, de da'wa, dans nos stands envers bidati. Tout ça là, il dépend de nos iman. C'est même qui nous je peux faire quand je peux causer bidati. Tout ce qui va nous dire c'est pas dans la vie dure envers bidati. C'est comment dire nous gagnons honte quand je dis ça. Nous gagnons honte quand je dis à qui faire. Parce que pour être dur envers Bidati, il y a un degré iman fort qui va salaf tchéna, zotzo tchéna sa estenna. Nous peinons sa degré iman là, nous, combien de situations nous faisons dans stène qui nous utilisent pour envers Bidati, nous faisons un gros sourire qui passe qu'il y a un droit, enfin, sa grosse sourire là, ou faire sourire avec Bidati ou. Ben ça l'a pas fait, il empêche ça qui de chose là. Donc, pour nous prendre une stène qui visait, il demande un certain courage, et courage pour pratiquer l'islam, ou bien même, on va dire, un courage pour vivre l'islam, l'esprit clair, l'équerre clair, contre ben superstition, contre shaitan, l'autre. Alors, connaît qui en veut dire, il y a du monde. Toutes ces affaires, capable d'un lichi, capable de Satan, capable de l'autre. Nous aurions dit que ce chose-là existe. Que ce chose-là existe. C'est un dimon qui dit lichi pas existe. C'est un dimon qui dit sauce religieuse pas existe. Il peut faire couvre. Ça veut dire que ce chose-là existe. Le Coran, il affirme ça veut dire que ce chose-là. Mais pas d'une façon, toutes ces affaires. Moi, le temps est en panne, je ne salue pas du tout. Moi, je ne jalouse pas. Ma sina lave non pan, je ne jalouse ma sina lave. Tous affaires, jalousie, tous affaires, l'hygiène,
ça li n'a pas faudrait pas djimoun vivre dans la façon là c'est lâcheté qui n'a de l'équi djimoun qui fait djimoun vivre dans sa façon là le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ban mu'min ki kaban ban munafiq pe di azot ban kafir fin rassemblé pour zot pe ban munafiq pe di ban musulman prépare zot mus kafir pe di san zon rassemblé et zot pe vin avec un groupe Allah Ta'ala dit quand sa ban munafiq la pe di sa parole la avec sa ban musulman la pe sa ban كافر لا فزادهم إيمانا زد إيمان بلي أغمانتي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل زد الله لي سفي بونو اي الله لي الميير بروتكتور دونك بور سا نو كومبون كي دي بان مؤمن كاكوما ديا دان سيتياسيون كوت سيتان تي كابا بير سيتان تي كابا بير المؤمن لي نا با بير المؤمن لي نا با بير او كونترير وا ديا سو ايمان مانيفيستي اي لي بلاص تو كلو الله سبحانه وتعالى كوم سا ميم اترافير نو ايمان تو نو بان اكشن كي نو بي فير غان فالي اوبري د الله سبحانه وتعالى اي انا بوكو جيمون Donc, ça, là, là, je te fais une bonne action. Que les musulmans, que les kafirs, n'a pas dit, on fait grand, grand charité. Et n'a pas fait, on fait acteur, actrice, si pas, telle donation, on fait football, et fait une donation. Tout ça, là, en vérité, on a un travail shaitan, un travail kafir qui, derrière tout ça, là, kafir, il connaît. Comment il peut embêter Timon? Comment il peut embêter Timon? Il fait ou croire sa actrice là un extra bon Timon? Sa qualité de nation il peut faire. Alors prends-lui comme un modèle, prends-lui comme un exemple. Et nous connaît ban qui dans sa domaine là c'est ban kafirat, c'est ban fasiqat, ban dernier Timon, ban dernier degré mal propté. Et qui, comme on dit, l'islam finance nous pour détester sa man qui a été du monde là, kafir, non, les présents sa man là, comme un star, comme un modèle, comme un qui a beaucoup piété, qui a beaucoup bon travail que je peux faire côté, dans la société. Alors, collé qui, nous, musulmans, pour nous, ça dans aucune façon, il n'a pas, nous pas gagné droit embêté par ça, surtout qui pour nous nous connaît, pour qui, ou action en valeur auprès d'Allah. On fait 100 000 roupies donation pour les pauvres, ou bien pour les orphelins, ou bien quand finir là, la sécheresse fin fait des morts pour gagner de l'eau. Tout ça, bon action qu'il fait là. Tout ça là, s'il n'a pas repose au tawhid, ça va une action là qui était, puis n'a aucun valeur. Ce mal action là, peine aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Allah pas pour faire l'injustice, Allah pour récompenser. Allah pour récompenser dans dunya même, mais il n'a pas pour gagner aucune quoi. Il n'a pas une action qui n'a valeur, qui ça pour rapporter quelque chose dans l'akhirah. Donc, parmi les fruits de l'iman, qui, quand kafir, il peine à l'iman, son action peine aucune valeur, quand nous n'avons pas l'iman, petit action qui nous capable faire parfois les rapports nous qui étaient grandes récompenses un petit action nous ne fait nous gagne grand récompense qui fait parce qu'il iman parce qu'il nous finamène iman donc nous besoin pour dire content alhamdoulillah que faveur Allah subhanahu wa ta'ala le nous et ça nous c'est affaire khutba lola et ben petit action qui l'islam fin promet nous grand récompense à travers ça donc dans une place dans le Coran parmi une place Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا celui qui veut l'akhirah et qui fait des efforts pour l'akhirah et qu'il y a un mu'min
إكي لأن مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لولي آخرة لبفيز زفو آخرة لأن مؤمن قد كما الله سبحانه وتعالى ويدان سيل آيات إنا بوكو كسونو كفاف اسبكي لدان لولي آخرة لبفيز زفو آخرة لأن مؤمن فيجي إنا تروا كتسوس كي بريكرام دينو لا أن مؤمن Nous avons besoin d'Iman. Deuxième, nous avons besoin de sa l'intention à l'akhirat. La troisième. C'est faux. C'est faux. Et Dieu n'est pas capable de persister, il n'est pas capable de faire aucun c'est faux. Non. Allah Ta'ala peut réclamer de nous un c'est faux. Faire un c'est faux pour gagner l'akhirat. Alors, Allah Ta'ala dit, celui qui voulait l'akhirat, il peut faire un c'est faux. Il y a l'Iman. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا C'est ça ben là qui est faux pour être reconnu, pour être récompensé par Allah. Par Allah. Donc, qui s'en a ce c'est faux pour être récompensé? Qui s'en a ce c'est faux pour avaler? C'est celui qui vient de mu'min. Celui qui vient de mu'min. Donc, si nous avons l'Iman, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une action qui nous peut faire gagner valeur contre Allah subhanahu wa ta'ala. Le place Allah, Rabbul Alamin, il dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ Celui qui, en tant qu'un mu'min, il peut faire une bonne action, alors ce bon effort, il ne peut pas être dans le vide, ce bon effort, pas pour nier, il peut être une action, pas pour résister. Donc, ça a été là aussi, pour cause concernant, un jimoun qui a l'Iman, il peut faire une bonne action, ce bon action, il n'a valé contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi encore un fruit de l'Iman, c'est qu'à travers l'Iman, nous capables de venir d'un degré qui nous considérait comme un camarade Allah. Nous considérait comme un camarade Allah. En vérité, le terme Wali Allah, Aulia Allah, nous fait aller son lola. Il y a des façons qui nous servent ça. Il y a des façons qui nous servent. Wali Allah, quand nous servons en faisant référence à un musulman en comparaison avec un kafir. Alors, dans sa façon-là, chaque musulman qu'il était, chaque musulman, il y a un wali Allah. Chaque musulman, il y a un wali Allah. Il y a un obéissant, il y a un, ou bien un désobéissant, il y a un qui est au sunna, il y a un qui est au bid'a. Une fois qu'il est un iman, il n'a pas un kafir, il y a un wali Allah. L'Iyan wa l'Iyallah, ça c'est un degré. Et quoi dire, tout musulman rentre là-dedans. Mais nous avons l'autre degré wa l'Iyallah, ça c'est pas qu'Allah compte en eux et je tenais une valeur spéciale auprès d'Allah. Là, c'est juste ben qui le sunna, c'est juste ben qui dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui gagnent sa valeur là. C'est juste eux qui gagnent sa valeur là. Donc, à travers l'Iman, un dimoun est capable de les peut vivre au salatier là, les considérer comme un wali Allah. Les peut vivre au salatier là, les peut vivre au salatier là, là content lui. Allah content lui. Comment? À travers ce iman. À travers ce iman. Définitivement, il faut dire nous, dans nous lesquels, nous sommes dans l'amour Allah. Nous sommes contents pour prendre sa direction là. Et là, nous pouvons ça. Ce cadeau là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allahu waliyul ladina amanu. يخرجه من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات بن الله للولي بن كنا من إيمان يرتجبنا دبي لوبسكوريتي لمن زل في la lumière quand بن كافر سبنا زد كمارات بن طاغوت زد كمارات de طاغوت de شيطان شيطان يرتجبنا دبي la lumière لمن بنا في لوبسكوريتي donc de ça être là ta bizia lo salatina ina wali allah wali shaytan ina mu'minina kafir donc ban mu'min c'est wali allah ban kafir c'est ban awliya ash-shaytan sinon le place allah rabbul alamin dit ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun certainement ban awliya allah
pas pour ni la frayeur aux autres ni chagrin. Pas pour ni la frayeur aux autres ni chagrin. Qui veut dire ça? Pas pour ni la frayeur ni chagrin. Veut dire qu'un jimoun peut mourir, les peut quitter, les peut quitter un monde, les peut aller vers un autre monde. Quand les peut quitter ça le monde là, nous peut gagner chagrin. Nous peut gagner chagrin. Nous peut séparer de nos madames, de nos enfants. Nous peut séparer. Nous gagnons sa grain. Et déjà, ça, ça les mots là, nous piquons ça les mots là, nous piquons à l'autre les mots, nous gagnons payer, côte piale, côte piale. Alors là, tu as dit, ala inna awliya Allah, la khawfuna alayhim wa lahum yahzanun. Ben, awliya Allah, ni na, quoi dire, la frayeur, ni na chagrin. Quand piquons sa dunya là, je vais payer sa grain. Un mu'min qui a mort, oui, ses enfants, nous avons déjà quitté les mots, nous quittons les petits enfants, nous quittons ce madame, nous quittons l'autre, nous. Oui, il y a un chagrin, mais c'est mal dit, quand il finit, il quitte sa dunya là, il n'est plus chagrin. Parce qu'il veut dire, il peut arriver à l'akhira, il n'est plus plus quoi, chagrin ici, et il n'est pas pire. Qui peut attendre ni par devant, les papes payés, qui peut attendre ni par devant, qui fait parce qu'il finit là, il m'a. Donc, nous tous, nous sommes contents, nous sommes contents qu'il soit bien, nous peut quitter sa dunya là, nous quitte sa dunya là dans cet état-là, la khawfuna alayhim wa la hum yahzanun. Ni nous peut chagrin quand nous peut quitter sa dunya là, et ni nous peut payer, quand nous peut aller, quand nous peut prendre, nous peut aller. Alors, si nous voulons, venir dans ce degré-là, nous sommes juste pour augmenter nos iman. C'est tout nous pour faire. Augmenter nos iman. À travers nos iman, nous venons à un wali Allah. Un wali Allah, c'est celui qui n'a pas pour faire, il n'a pas pour chagrin. Et Allah, il décrit qui est un wali Allah. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. C'est bon qu'il y a un iman et qu'il y a un taqwa. Nous tous nous avons un iman, nous tous nous avons un taqwa. Mais le problème là, c'est qu'il y a un iman. Et si nous avons un iman, nous avons un iman. Nous avons un iman. Nous avons un taqwa, nous avons un taqwa. Oui, qui est le problème? C'est le degré de iman, le degré de taqwa. Il y a une grande faiblesse dans nos degrés iman, il y a une grande faiblesse dans nos degrés de taqwa. Alors, il est important qu'il nous reste à prendre, nous reste à prendre, nous reste avec masjid, nous reste en jamaat, nous faisons des efforts pour nous, nos madames, nos enfants. Alors, pour l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, on dit un djimoun, parmi les fruits de l'iman, les être considéré comme ban qu'Allah a attrapé. Puis, comptant ce dernier point, à travers l'iman, Allah lui élève nos grades. Allah lui élève nos grades et dit, nous gagne une grande valeur auprès d'Allah. À travers l'iman qui nous fait amener. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah lui élève en degré. Ban qui fait amener l'iman parmi eux et ban qui fait la connaissance. Il dit ban qui a l'iman, ban qui a la connaissance, Allah élève eux. Allah élève eux. Donc, nous tous, nous sommes beaucoup contents qu'Allah élève nous, donne une grande valeur auprès de lui. Comment? Un iman, déjà la connaissance. Alors, plus nous apprenons, plus nous augmentons nos iman, et plus nous faisons des efforts pour apprendre, pour qu'on nous dîne, alors nous grade et monter même côté Allah. Mais il n'est pas nécessaire qu'on m'a dit, tout le monde a fait khutba dans sa masjid là, par exemple. Il y a un problème aussi, comment il y a un problème? Et moi, je vais faire là, si tout le monde fait khutba. Un djimoun peut faire khutba, les autres écoutent. Alors, tout le monde pas pour faire khutba, mais tout le monde besoin faire da'wa, besoin faire da'wa. De tout nous faire da'wa. De tout nous besoin faire da'wa. Alors, il n'est pas possible qu'on m'a dit, ça, un djimoun, il reste, tchikit qu'il nous connaît, il reste avec ça. Non! Dès le temps que vous pouvez lire, vos connaissances peuvent augmenter. Quand vos connaissances peuvent augmenter, qui peut arriver là? Par exemple, un djimoun, Azouji, il lit 15 minutes ce dîne. Quand il lit 15 minutes ce dîne, qui est arrivé? Il gagne 15 minutes de connaissance dîne. Quand il gagne 15 minutes de connaissance dîne, qui est arrivé là? Hein? Ce iman a augmenté après. Ce darja a augmenté côté là. Ce daraja inaugmenté côté Allah. J'ai fait comment un djimoun? Lina pas gagné non yé zoji. Quand dans côté din, côté dunya, il pas gagné non yé. Zis 15 minutes, lina lia un ayat Quran, un hadith, un tafsir.
Elle va soit une ta plein et pas une ta plein. 15 minutes, on lit, ou d'arraja, il monte côté Allah. Et imaginez-vous, nous passons 24 ans sans que nous d'arraja puis augmenter côté Allah. Un ayat Coran, nous pas lire. Un hadith, nous pas lire. Livre, et n'a qu'on m'a dit, dans sa coin, dans la case, dans le salon, dans la masjid. Et aujourd'hui, nous avons un site, ou bien les autres frères qui envoient nous. Un petit affiche, un post, le Facebook ou bien le WhatsApp, nous pas lire pour apprendre nos dînes. Alors nous périssons, comme dire, nous daraja périssons bas, nous daraja périssons bas. Nous voulons nous dire daraja élevé, apprendre nos dînes, veut dire augmente nos imans et apprendre nos dînes. Alors ça c'est une leçon pas aujourd'hui, demain, inshallah, khul, subhanakallah, bihamdik, je veux la testa, khul.